Salut à tous, c'est Tom Fury et aujourd'hui on va s'essayer sur un nouveau genre de jeu que j'ai pas fait encore sur ma chaîne YouTube, un jeu de voiture en fait, et plus particulièrement un jeu de destruction de voiture. Donc pour référencer un peu tout ça, si vous avez connu à l'époque de la PS1 et la PS2 Destruction Derby, en fait ça va vous parler. Et pour les plus récents, on va dire que ça ressemble un peu à Flatout en fait. Fist a été développé à partir de 2012. Il a été en version alpha bêta à partir de 2013. En fait, à l'époque, les mecs, ils avaient lancé un Kickstarter. Ils demandaient l'équivalent de 350 000 dollars pour financer la totalité de leur projet. Et finalement, ils ont récolté 1,5 million. Et ça y est, maintenant, en 2018, il est sorti en version finale, donc le 14 juin dernier sur Steam, pour la valeur de 44 euros, et vous pouvez le trouver sur 35 euros sur d'autres sites tiers. Donc le jeu a été édité par THQ Nordisk, c'est ceux qui ont fait Titan Quest, Dark Souls, et il y a très longtemps aussi Delta Force, mais ils en ont fait plein d'autres. Le jeu a été développé par Burgbeer, en fait, c'est le tout premier jeu qui est développé. Pour ceux qui ont joué à l'alpha ou la bêta, le jeu est donc maintenant en version finale, et c'est totalement différent. Il y a beaucoup plus de contenu, il y a un mode solo, il y a un mode customisation, tout ça, et trêve de bavarderie, et on va tout de suite s'essayer à un gameplay multijoueur ensemble. A tout de suite. Tac, bienvenue pour la vidéo gameplay. Donc là je suis sur un lobby multijoueur, je vais choisir mon véhicule. Donc moi je vais prendre le Speedbird, il a 305 de cote en classe A. Donc en fait c'est un des véhicules les plus rapides du jeu. Donc j'ai pas encore tout débloqué au niveau de la customisation de moteur, etc. Mais parce que je suis que niveau 4, donc voilà. Par contre je suis que niveau 4. Donc maintenant on va attendre que les gens terminent. Vous voyez voir qu'on peut un peu modifier la difficulté pour nous-mêmes du jeu au niveau des transmissions de l'ABS, le contrôle de la sanction et le contrôle de la stabilité en fait. Et au niveau des réglages voiture, donc tout ce qui est suspension, rapport, transmission, différentiel, équilibrage des freins. Donc voilà, c'est à vous de juger en fait, et selon les modifications que vous faites, les caractéristiques du véhicule changent. Donc voilà, donc moi je suis prêt, ma voiture c'est ça. Et nous revoici donc pour la vidéo gameplay. Donc vous allez voir que c'est assez fou, donc, vous avez vu plusieurs vues différentes. Donc, bien sûr, je vais prendre les éloignées. Donc là on est sur un circuit très simple, on tourne en rond en fait, il y a eu sur 8 tours. Donc une fois que vous avez trop de dégâts appliqués dans votre survie de véhicule, bien sûr vous êtes éliminé. Et ce qui est intéressant c'est que c'est 24 voitures par course. C'est 24 voitures par course et c'est des dingueries. Donc il n'y a pas que des courses, il y a aussi des arènes. Vous pouvez, le but est de vous détruire en fait. Et course ou pas course, en fait, quand vous faites des dégâts à une voiture, vous avez de l'expérience qui vous s'ajoute sur votre profil. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a un système de leveling, comme vous avez pu voir. Il y a un système de classement mondial aussi. Hop là, vous voyez, collision latérale, 100 points. Sucette, 100 points. Et c'est vraiment dingue, en fait, ce jeu. C'est vraiment dingue, c'est une dinguerie. Et comparé à la version alpha, en fait, qui était sortie en 2013, moi je viens de 2013. Il y a vraiment une très très grosse différence. Je vous invite aussi à regarder la playlist du jeu. C'est la bande sonore du jeu. En fait, c'est que du rock californien, du métal, tout ça. Et c'est vraiment très 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 bien choisi. C'est super fun. Et c'est reparti pour notre vidéo gameplay avec un circuit un peu plus complexe cette fois-ci. Donc là, ça va peut-être envoyer plus de pâté. Bien moyen. Allez. Et puis on va essayer de faire un top 1. A few moments later. Et voilà, top 1 les gars. Et c'est reparti pour une dernière vidéo. Là cette fois-ci je vais vous montrer un peu de trolling. Regardez voilà ça. Je vais laisser partir tous. Et moi Toto. Un handicapé. Je vais aller leur foutre sur la gueule. Je vais montrer un peu les dégâts, un peu le bordel qu'on peut créer. Bonne quatrième bien sûr, mais c'est fait exprès, hein, c'est... On va aller foutre sur la gueule du premier.
va aller le premier, on va aller troller le premier. C'est un peu de prix, on a dit. C'est un peu de prix. C'est notre volontaire. Mais bientôt, je vais pas tarder à crever en fait. Voilà, recreate. Cubase A. Mais voilà, j'aurais fait un maximum de dégâts. Après, il faut vraiment voir le jeu directement. Gameplay en fait. Vous vendez le jeu directement en gameplay. Vous allez voir que c'est un jeu qui est complètement what the fuck. Et je suis content parce que j'ai foutu le premier, qui était plus le premier, je pense. Je vais vraiment rager d'aller. Voilà. Alors surtout, si vous avez aimé ces petits tests, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et un abonnement si vous voulez partager autour de vous, parlez-en à ma chaîne. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine sur ma chaîne, donc vous pouvez le Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, liker et partager à tout ton entourage. Je te remercie, à très bientôt, ciao!